C'est vrai que dans le monde incroyable et magique du jeu vidéo, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Et en l'occurrence, il y a quelques jours de cela maintenant, eh bien, Square Enix a lancé le dernier jeu de Platinum Games, à savoir Babylon's Fall. Et c'est la cata totale. Les notes ne sont pas bonnes, les joueurs ne semblent pas du tout au rendez-vous, au point que l'éditeur essaye de rectifier le tir. Et c'est globalement, alors je dirais peut-être pas du jamais vu, mais c'est assez rare aussi rapidement après la sortie d'un jeu, Square Enix a décidé de lancer un sondage. Et dans ce sondage, eh bien on voit qu'il y a un gros focus qui est fait sur les graphismes du jeu, qui semblent ne pas avoir particulièrement séduit les joueurs. Et donc, bah, je suis allé voir, hein. Il y a plein de petites questions. Comment est-ce que vous avez commencé à jouer au jeu? Ok. À quelle version vous avez joué? Ok. Au moment de remplir ce formulaire, est-ce que vous aviez progressé un petit peu dans le jeu, etc. Bref, il semble volontaire à corriger un petit peu le tir, mais on le sait, hein. Dans le monde impitoyable et ultra compétitif du jeu vidéo, un mauvais départ peut être synonyme de départ définitivement manqué. Il y a quelques rares cas, hein, de jeux, hein, qui ont réussi à rétablir le tir, et d'ailleurs, chez Square Enix, hein, Final Fantasy XIV en est un cas émérite, c'est peut-être pour ça qu'ils se disent que tout n'est pas perdu, mais on se rappelle aussi de Marvel's Avengers, et bah, ils n'ont jamais réussi à retrouver un bon rythme. Bref, eh bien, mauvaise passe là pour Platinum Games et Square, mais peut-être que, à force de sondages comme ça, etc., ils corrigeront un petit peu certains éléments, mais je crains malheureusement qu'ils fassent un petit peu plus que ça. Mais vous me direz dans les commentaires, est-ce que vous avez joué à Babylon Fall? Qu'est-ce que vous en avez pensé le plus objectivement possible, même si tout cela n'est que subjectivité, on est bien d'accord? Et est-ce que vous pensez qu'il pourra rétablir la très mauvaise tendance initiale?